Bonjour, je tombais sur une page assez intéressante du site illuminatinews.com tenue par Wes Penney, qui a fait donc une enquête au niveau des Illuminati, pas parce qu'il en fait partie, parce que j'ai vu des gens qui avaient mal traduit ce titre-là, a priori, dans l'intention. Et donc là, c'est une liste de brevets du gouvernement pour nous contrôler. Oui. Vous pouvez y croire ou pas. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vérifier. Donc, je vais énumérer les brevets. Là, ça va être passionnant comme lecture. Mais enfin, c'est l'intention qui compte. Vous allez voir. Donc, le brevet 1 096-102 s'appelle bizarrement la théorie de la Terre creuse. Le brevet 3-951-134 concerne un appareil et des méthodes pour surveiller et modifier à distance les ondes cérébrales. Le brevet 4-686-685, méthode et appareil pour modifier une région de l'atmosphère, de l'ionosphère ou de la magnétosphère terrestre. Brevet 4-717-343, méthode pour modifier le comportement d'une personne. Brevet 4-858-612, appareil auditif. Brevet 4-877-027, système auditif. Brevet 5-123-899, méthode et système de modification de la conscience. Brevet 5-159-703, système de présentation subliminale silencieux. Brevet 5-270-800, générateur de messages subliminaux. Brevet 5-507-291, méthode et appareil associés pour la détermination à distance d'informations sur l'état émotionnel d'une personne. Brevet 5-539-705, traducteur de paroles à ultrasons et système de communication. Brevet 5-629-678, système de suivi et de récupération personnelle. Brevet 5-760-692, dispositif de suivi intraoral. Brevet 5-578-155, méthode de vérification de l'identité humaine lors de transactions de vente électronique. Marque de la bête. En savoir plus sur ce brevet ici, donc il y a un renvoi. Brevet 5-909-461, dispositif de repérage par satellite à positionnement global, GPS. Brevet 5-935-054, excitation magnétique des résonances sensorielles. Brevet 5-952-600, arme à neutralisation de moteur. Brevet 6-006-188, traitement du signal vocal pour déterminer des caractéristiques psychologiques ou physiologiques à l'aide d'une base de connaissances, de données, je pense. Brevet 6-011-991, système et procédé de communication comprenant une analyse des ondes cérébrales et ou l'utilisation de l'activité cérébrale. Brevet 6-014-080, dispositif de repérage actif et passif. Brevet 6-017-302, manipulation acoustique subliminale du système nerveux. Brevet 6-051-594, méthode et formulation pour moduler la réponse sexuelle humaine. Brevet 6-669-094, méthode d'incorporation et de récupération d'informations d'identification d'éléments codés dans une émulsion au moyen d'énergie radiante. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'émulsion en question, ce n'est pas en fait le cerveau, qui est un mélange d'eau et de graisse. Voilà. Donc, on était sur le site illuminati-news.com/patents.htm, édité par Wes Penney. Je suis désolé de vous avoir cassé le moral. Je vous remercie d'avoir suivi. Bon courage. À bientôt. Car en fait, ce qui compte, c'est qu'un homme averti en vaut deux. Peut-être même qu'une femme avertie en vaut trois hommes. Sinon, je vais avoir des problèmes.
Ah, aujourd'hui, les gens sont susceptibles, hein, parfois. Il faut pas être susceptible, regardez à quel point on est manipulable. Bon, allez, j'arrête. Bonne soirée. Salut.